Je la vois, je la vois. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Mais ce que tu vois n'est qu'un mirage, une vague parmi d'autres. Va. Elle se rapproche de nous. Elle vient ici. C'est la boîte. Tu appelles ça une boîte? Moi, je l'appelle un monstre aveugle. J'y vais. Une boîte est une boîte. C'est une boîte. Hein? Qui es-tu, apparition? Si tu disposes d'une voix ou de tout autre son, alors parle-moi. Oh, oh, oh. Débarrassez mes yeux du voile qui les aveugle et dites-moi, que vois-je ici? Soyez les bienvenus sur notre île. L'oiseau tempête! Tu nous as sauvés. C'était bon de voir. Venez fouler le sable fin. Venez marchons main dans la main. Mélonia vous accueille enfin. Ah, Mélonia, on est arrivé à Mélonia. C'est justement l'île dont je rêvais. Mais qui es-tu? Ferdinand. Je travaillais pour ces affreux slugs. Et Slag, à Plutonia. Il y en a encore beaucoup comme moi, enfermés nuit et jour dans les usines. Mais j'ai réussi à me sauver et je ne retournerai plus jamais là-bas. Et toi, qui es-tu? Moi, le timonier. Mon bateau a coulé, presque tout le monde a disparu. Sauf nous. Il vous faut de la nourriture et des vêtements secs, suivez-moi chez Prospero. La promenade vous paraîtra certes plus agréable que votre longue errance sur des mers désertes. Nous te suivons. Je vous précède, je vole jusque chez Prospero. De qui le moindre signe m'est un homme. C'est ici que règne Prospero, le meilleur des magiciens. J'avais repéré l'île sur une carte. Elle se présente bien, ma foi. Je connais un buisson où déjà le thym sauvage est tout en fleurs. Où les primes verts et les violettes s'inclinent à l'abri d'un exubérant chèvrefeuille. Et où les jasmins embaument à plus de 20 pas de distance.